vidéo. Je vais faire une vidéo qui va vous plaire. Logiquement. Oui, bon, ok, vous l'avez vu dans le titre, c'est plus très drôle. Donc voilà, c'est pour vous faire un concours. Encore une nouvelle fois, parce que je vous l'avais dit à mon dernier qui s'est passé au mois de juin, je crois. Ou mai, juin. Enfin, bref, je sais plus trop. Juin. Et donc du coup, je vous avais dit qu'il y en aurait un autre pour la rentrée. Alors voilà, je vous fais le petit concours de la rentrée. Donc oui, s'il n'est pas exactement à la rentrée, c'est qu'à tout le monde faisait sa rentrée et tout. Donc je me suis dit, je vais pas faire un concours pile le jour de la rentrée. Donc voilà, et en fait ce sera un concours très simple parce qu'en fait donc il y aura trois lots à gagner. Donc ce sont des petits lots contrairement à ceux qu'il y a eu avant. Donc ce sont des petits lots, mais c'est quand même un concours pour ceux qui sont intéressés. Et donc voilà, déjà je vais vous présenter les lots. Alors ce sont avec des produits de la petite épicerie essentiellement, donc ça vient que de la petite épicerie. Donc voilà, alors pour le premier lot vous aurez droit à une poche de chantilly rose. Donc voilà, c'est de la chantilly rose. C'est pour faire de la chantilly. Voilà, super bien. Agréable à travailler, je trouve. Enfin, c'est pas trop. Enfin, c'est agréable à travailler, je trouve. J'aime bien celle-là. Ensuite, dans ce même lot, vous pourrez trouver deux assiettes comme ceci, avec deux petites coupes de glace, par exemple. Deux petites coupes comme ceci. Donc, c'est de la porcelaine. Donc soit vous pouvez faire un truc dans ça, un truc dans ça, ou vous pouvez même mettre sur la tasse. Mais bon, moi je trouve sur la tasse que ça fait un peu bizarre. Il y en a qui préfèrent avec une assiette. Et sous une tasse. Okay. Pourquoi je raconte une tasse moi? Bref, avec l'assiette. Donc voilà, vous avez deux assiettes et deux coupes de glace. Ensuite, pour le même lot toujours, vous pourrez trouver des breloques cuillères. Donc je sais pas combien il y en a, il y en a peut-être une dizaine. J'ai pas compté exactement, mais bon, il y a des breloques cuillères. Donc les breloques cuillères, bah, ça peut servir tout le temps, ça sert tout le temps pour n'importe quelle création gourmande. Ensuite, vous pourrez trouver un scotch kawaii. Donc là, j'ai pas... Enfin, puisqu'il est blanc, il est en fait un peu transparent, donc je sais pas si vous allez voir bien. En fait, du coup, on voit les dessins qu'il y a derrière. Donc voilà, en gros, tout mignon. Donc voilà, en gros, mais je vais pas le déplier pour pas le gâcher. Ensuite, vous pourrez avoir trois cannes. Donc une demi-pastèque. Pastèque, voilà, je vais dire pastèque. Alors, une demi-pastèque, une fleur bleue et une poire. Donc, trois cannes. Et avec ça, une lame pour couper les cannes. Donc, c'est une lame exprès pour couper les cannes. Attention à ne pas se couper. Et pour compléter, c'est un petit moule. Petit biscuit. Voilà, moule petit biscuit pour compléter le lot. Donc, ça, c'était le premier lot. Le deuxième lot, il y a de la chantilly, donc c'est très ressemblant, c'est juste les couleurs qui changent ou autres, sinon c'est les mêmes quantités de produits. Le deuxième lot, c'est avec de la chantilly, mais cette fois-ci orange, avec toujours deux assiettes et deux tasses en porcelaine, décidément je n'arrive plus à parler. Après, vous pourrez trouver des breloques, mais celles-ci, cette fois-ci, ce sont des étoiles, petites étoiles. Ensuite, trois cannes, donc ce sont... Une fleur verte, un citron vert et une bouche avec la lame qui va avec. Un scotch Rilakkuma, mais cette fois-ci rose, donc c'est les mêmes motifs sauf qu'il est rose. Enfin, à peu près, de toute façon, Rilakkuma c'est des Rilakkuma quoi. Ah. Voilà. Et le moule, donc là, ça c'est un moule, par contre, je sais pas trop ce que c'est, donc je crois que c'est chocolat. Par exemple, le chocolat, ça peut faire les céréales ou bien popcorn. Oh, j'hésite entre popcorn et chocolat. Donc voilà, un autre moule. Et le troisième lot, malheureusement, il y a moins de trucs. Mais bon, voilà. C'est parce que c'est le troisième lot. Donc je vous le dis, les deux premiers, on va faire pareil. Parce que j'arrive pas trop à départager en fait. Donc le troisième, bah, il y en a moins. Alors, il y a juste une tasse et une coupe. Après, un scotch Rilakkuma. Voilà, à peu près, tout mignon, tout beau. Donc là, c'est différents motifs. Et 4 cannes, cette fois-ci. Alors, c'est un quartier de pastèque, un nounours, un flan avec plein de fruits dedans. Enfin, plein, il y a 3 fruits dedans. Et un petit poussin. Voilà. Avec la lame qui va avec. Donc voilà, le troisième lot, c'est un plus petit. Donc voilà pour les lots, donc tous ces produits comme je vous l'ai dit proviennent de la petite épicerie.
Alors maintenant, les conditions. Alors je me suis dit, puisque c'est la rentrée, moi je suis en première, donc j'ai beaucoup plus de boulot à faire que lorsque j'étais en seconde, je n'aurai pas le temps de gérer un concours création. Donc du coup, j'avais demandé quel genre de concours mes fans voudraient sur ma page Facebook. Et genre, il y a un thème qui m'avait beaucoup plu, c'est genre vacances. Et le deuxième, c'était rentrée. Donc je me suis dit, c'est pas mal, mais je me suis dit, je n'aurai pas le temps de tout gérer. Donc du coup, je me suis décidée de faire un concours tirage au sort, ce qui est peut-être mieux comme ça. Alors, les conditions, il faut être abonné à ma chaîne, il faut commenter cette vidéo-là et seulement cette vidéo-là pour le concours. Il faudra commenter comme quoi vous participez et que vous avez l'autorisation parentale. Parce que si vous gagnez, je ne veux pas que je me retrouve avec un lot parce que vos parents ne veulent pas que vous me donniez votre adresse. Donc vous ne me donnez pas votre adresse, vous ne me donnez pas de numéro, vous ne me donnez pas d'adresse email. Vous dites juste que vous participez, vous avez l'autorisation parentale. Bon, si vous êtes majeur, vous n'avez pas besoin. Parce qu'en fait, si vous gagnez, c'est moi qui irai vous contacter en privé. Donc voilà, si ça peut rassurer quelques parents, il n'y aura aucune info personnelle en commentaire sous cette vidéo. Donc là, vous dites juste que vous participez et vous avez l'autorisation. Ensuite, il faut laisser qu'un seul commentaire par personne durant toute la durée de ce concours. Donc voilà, alors si vous créez plusieurs comptes, je vais sûrement voir, donc du coup ça sert à rien. Donc voilà, ouais, c'est pour tricherie en fait. Toutes les trucs de tricherie, toutes les personnes qui vont essayer de tricher à ce concours en se créant plusieurs comptes ou autres, vous allez être disqualifiés et surtout vous allez être bannis de la chaîne parce que je trouve ça genre horrible que des gens puissent tricher un concours. Surtout que c'est un concours commentaire, donc c'est tiré au sort. Donc j'estime que tout le monde a sa chance, donc ce serait bien d'être, on va dire, clean, enfin clean c'est pas vraiment le mot, d'être honnête pour que je puisse organiser d'autres concours. Parce que voilà, ce serait mieux et puis voilà, ce serait plus honnête. Enfin bref, donc c'est pour vous dire que ça va me tricher parce que vous serez banni. Enfin voilà, donc je sais que toi qui me regardes, qui n'a pas de chaîne YouTube, tu vas m'envoyer un message privé sur Facebook ou sur mon adresse mail et je dois te dire que non, tu n'as pas le choix si tu veux participer de t'inscrire. Donc parce qu'en fait je vais tirer au sort parmi les commentaires. Donc si vous m'envoyez un mail ou un message privé sur ma page Facebook, ça ne marchera pas parce que c'est pas dans les commentaires de YouTube. Donc voilà. Donc je ne réponds à aucun commentaire de cette vidéo, donc vous me verrez répondre à aucun commentaire pour éviter de fausser. Donc oui, ceux qui osent mettre plusieurs commentaires, vos deux ou trois ou bref, tous vos commentaires que vous avez publiés seront supprimés et vous serez banni. Voilà, disqualifié en gros. Et sinon pour les résultats, je ferai la vidéo vendredi soir, donc malheureusement ce sera comme le tuto, la luminosité ce sera pas terrible, je ferai le tirage au sort vendredi soir et je posterai la vidéo samedi. Donc il n'y aura pas de tuto parce qu'en fait le concours se déroule sur une semaine, donc vous avez une semaine pour participer ou à vous créer un compte YouTube ou ce que vous voulez. Enfin bref, donc je récapitule, il faut être abonné à votre chaîne, mettre qu'un seul commentaire par personne comme quoi vous participez et que vous avez l'autorisation parentale. Bon après vous pouvez en rajouter, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, bref, mais il faut au moins ça dans votre commentaire. Et c'est tout, un seul commentaire par personne. Voilà, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas de vidéo à partager, à aimer, enfin voilà. Et donc du coup, tous les gagnants seront tirés au sort et je vous ferai la vidéo samedi pour vous le dire. Voilà, donc je vous laisse sur ce petit concours, j'espère que ça vous aura plu. Alors j'espère que votre entrée s'est très bien passée, donc moi oui, c'est bien passé. Globalement, enfin je suis pas avec les personnes que je veux, ça c'est... voilà. enfin bref, donc je vous laisse, donc j'espère que ce concours vous aura plu. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo concours? Parce que déjà je vous l'avais dit, même promis il me semble, que je ferai un concours à la rentrée, mais c'est aussi pour vous remercier d'ailleurs comme tous les concours, parce que j'estime que des personnes avec ayant un nombre important on va dire d'abonnés, parce que d'ailleurs je tiens à préciser parce que j'ai dépassé les 25 000 abonnés, donc du coup je vous remercie tous de me suivre autant avec tous vos commentaires d'encouragement ou autre, voilà, enfin de savoir que mes vidéos plaisent, ça me plaît de continuer. Donc voilà, c'est aussi pour ça, pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi, pour m'encourager ou autre, comme je viens de vous le dire.
Et donc voilà, et j'espère que ça vous fera aussi plaisir, parce que moi ça me fait plaisir de l'organiser, voilà, faut le dire. Et du coup, on se retrouve mercredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Salut!